Alors, shalom à tous les bien-aimés de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Je n'étais pas censé venir là aujourd'hui, mais bon, compte tenu des circonstances, que c'est que d'après ce que je reçois dans les prières, parfois je suis obligé de revenir là par rapport, voilà. Que Dieu se glorifie. On part assez direct. Voilà, nous allons devoir changer d'avis concernant Elipada, concernant le prophète Elipada, suite à ce que j'ai rencontré cette nuit. C'est chaud au Sénégal. Ils n'ont pas réussi, mais ça est en train de les prendre la tête. C'est chaud au Sénégal. Ça n'a même pas commencé. Dis-leur. Voilà. Je leur avais dit, on va en parler. Il y a des choses quand tu rentres dedans là. Soit tu donnes quelqu'un, soit tu donnes ta tête. Voilà. Mais là, toi, la personne que tu veux donner, si on intercepte, on sauve la personne, c'est toi qui passes. Voilà. C'est toi qui passes. C'est chaud au Sénégal. OK. Donc, partagez le direct pour l'information. Voilà. La personne qui m'a envoyé l'information. Attends, c'est vrai que je n'ai même pas encore vérifié, mais on a envoyé sur Facebook. Donc voilà, vous pouvez aller voir le premier ministre, l'ancien premier ministre de Macky Sall, dont le ministre de Macky Sall, qui a été enlevé, est décédé. Et qui encore, voilà, attends, j'ai la personne qui m'a envoyé. Voilà. Voilà. Donc, voici l'information. Les gens, ils sont amusants, hein? Voilà. Marie-François dit qu'elle a vu l'information. Donne-nous bien l'information, s'il vous plaît, ma chérie. Je n'étais même pas disponible toute la journée, donc j'étais saturée.
J'ai juste tout eu là. C'est quand j'ai ouvert le téléphone, j'ai vu qu'elle m'a laissé, voilà, le premier ministre. La vie, vous voyez là, il ne faut pas jouer. Ce que vous voulez pour les autres, là, c'est ça qui retombe sur vos visages. Pam! Voilà ça là. Oh! Quelqu'un m'a dit, les francs-maçons, maman, ton Dieu est en train de faire quelque chose, ils sont en train de confirmer le coup. Ils n'ont jamais croisé. En fait, le temps que vous avez régné, c'était le temps que Dieu n'avait pas encore mandaté quelqu'un pour vous combattre. Mais là que vous voyez la vérité, si c'est moi, vous, là, je prends mes valises, je libère ce qui appartient à Dieu seulement. Je prends ma valise, je fais quoi? Je libère seulement ce qui... Parce que vous ne pouvez pas gagner le combat. C'est que si ça va vous prendre sur le nez, vous allez mourir mal. Est-ce que je suis en train de blaguer? Je veux vous dire que les gens là me suivent plus que vous-même. Vous croyez que je blague? Quand je suis venu donner l'information d'Eli Padaki au nord et j'ai donné la ville Boum Djalele, la nuit pendant qu'on prie, on voit qu'ils ont ouvert la porte, ils sont en train de retirer Eli Padaki pour mettre derrière une pick-up noire. En train de partir là où, parce que quand ils mettent les gens comme ça, après ils partent sacrifier quelque part. Dans une forêt où il y a les arbres, il y a une maison là-bas, petit comme ça. Et il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire. À Côte d'Ivoire, j'ai déjà encore vu des choses qu'ils ne voulaient pas voir. Yeah! Donc, ils amènent les gens là-bas. Et ils prennent les gens par les pieds. Ils attachent en l'air comme ça. Ils coupent la tête. Et le sang coule sur un seau. Ils se servent du sang, ils boivent de ça à la présidence et eux-mêmes se servent de ça. Donc, il y a des femmes et des hommes là-bas qui ne font que couper les têtes des gens qu'on enlève en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont programmé, comme maintenant, ils sont en train de... tout leur courrier ne marche. Donc, quand ils prennent les gens comme ça, quand si les gens ne crient pas fort, ils coupent la tête. Donc, on a prié toute la nuit et tous les prières, sur les prières qu'on était partis avec. Dieu a dévié, on est parti que sur l'Ipada. Tous mes deux groupes de prière qu'avec, tous mes gens que je fonctionne avec, on est déjà allé, on a prié toute la nuit. Dire que vous allez, vous ne pouvez pas le tuer. J'ai dit, Seigneur, quand tu, vous ne pouvez pas le lier, hey, ils sont venus la nuit. Je vous ai dit que les gens là me suivent mieux que vous-même. Dès qu'ils ont vu qu'on a su, là, ils sont allés le retirer. Parce que l'endroit où j'ai indiqué, à Boum Djalele, ils sont allés sortir la salle. Prendre le monsieur là, il sortait avec. Ils ont mis dans un pick-up noir. On a suivi. Ah, il y a des choses, hein. Il y a des choses. Voilà la raison pour laquelle j'ai changé d'avis dans ce que j'avais dit qu'on lance lundi. Donc, tous ceux qui veulent prier pour Elie Padaki, partagez la vidéo, s'il vous plaît, si vous voulez me rejoindre. Et pour toute la Côte d'Ivoire, ce n'est même plus seulement pour Elie Padaki, mais pour toute la Côte d'Ivoire. Car pendant que je priais, nous avons vu, ils ont programmé les enlèvements pour aller couper les têtes dans cet endroit, dans un fond, dans un... Vous cherchez quelqu'un, il y a des enfants qui vont enlever. Donc, vos enfants vont enlever les enfants. Mais la personne qui est derrière ça, c'est le petit frère d'Alassane Ouattara. Donc, le ministre Kouala-Ou, c'est le ministre, donnez le nom ici, là. C'est lui qui orchestre, c'est lui qui est derrière. Donc, c'est lui qui organise, c'est lui qui passe les coups de fil. Donc, Alassane, lui, donc quand il fait comme ça, il vient dire à Alassane, c'est lui qui coupe les têtes des gens en Côte d'Ivoire, c'est lui qui tue. Le petit frère d'Alassane, c'est lui qui organise tout. L'organisateur numéro un, c'est le petit frère d'Alassane. Donc la nuit, ils sont venus chercher Elie Padaki. Ils mettent dans un pick-up noir, ils partent avec dans les endroits où ils partent couper les têtes des gens. Donc ils suspendent les gens comme ça. Ils coupent les têtes. Il faut voir comment nous on a prié la nuit. On n'a même pas prié notre sujet si c'était Elie Padaki. On est resté sur Elie Padaki jusqu'à Dieu nous a dit que c'est bon. Non, ce n'est pas Sonko qui est décédé, Sonko vit encore. Hey, au nom de Jésus, je ne souhaite même pas ça. Entendez ça, que Dieu
le Dieu du ciel et de la terre. Protège l'enfant là, vraiment. C'est les gens qui voulaient les tuer qui sont en train de passer. Ils vont confirmer le code. C'est eux qui sont en train de passer. Voilà. Au Sénégal, ça ne va pas finir seulement comme ça. Vous voyez qu'il y aura le calme que comme ça. S'ils n'ont pas réussi l'autre côté, ça va les prendre. Donc, le petit frère d'Alassane, il s'appelle qui? Il s'appelle qui? Le petit frère d'Alassane, il s'appelle qui? Je suis en direct. Mais je suis en direct, oui. Il s'appelle, comment on dit qu'il s'appelle qui? René Ibrahim, hein? Je connais pas ce, ou c'est le ministre intérieur, ou c'est le ministre de quoi? C'est lui qui orchestre tous les gens. Il prend, il a les gars qui payent, ils travaillent à son service. Ils ont programmé les enlèvements en Côte d'Ivoire ces jours-ci. Ils ont programmé beaucoup d'enlèvements comme ça parce que leur panier est vide. Il faut absolument qu'on tue quelqu'un. Il faut absolument qu'on sacrifie. Donc, il faut que maintenant, on enlève absolument vite les gens. Donc, ça, donc, cette nuit-là, nous allons commencer dès le matin, aujourd'hui, nous allons commencer à stopper tous ces enlèvements et demander que Elie Padar retourne. Nous savons les prières que nous avons envoyées, mais on ne peut pas tout détailler ici. Nous connaissons ce que nous avons fait, mais on ne peut pas tout détailler ici pour protéger aussi sa vie. Mais il est retenu par le petit frère d'Alassane. Donc, voilà pourquoi on avait dit que Alassane connaissait. Il est retenu par le petit frère d'Alassane. Lui, il sait où Elie Padar se trouve. C'est lui qui est en train d'orchestrer tout. Quand j'ai fini le direct, il a fait les coups de fil hier. Lorsque j'ai dénoncé l'endroit, ils sont allés enlever l'enfant là-bas la nuit. Il était 2h32 comme ça. Il était 2h32. Voilà, ministre de Défense. Voilà. Ministre de Défense. Donc, c'est ça. Moi, je ne connais pas trop. Donc, voilà. Moi, je... Amen. Que Dieu vous bénisse. Il est très dangereux. Il est mauvais. Il est en même temps méchant. Donc, il boit le sang. Il se lave le visage avec... Donc, ils suspendent les gens. Ils ont une maison dans la forêt, dans le nord, là, au milieu des arbres. Donc, on a embauché les femmes. Ils sont là-bas avec les blouses blanches que les médecins opèrent avec les blouses. Ils ont les blouses là. Ils suspendent les gens en l'air comme ça. Ils coupent les têtes. Comme je viens de dévoiler là, leur plan là. Ils vont chercher à vouloir dégager. Il y a les têtes des gens là-bas comme ça. Il y a les têtes des gens là-bas comme ça. Si vous partez là-bas, vous allez trouver ça. Si vous saisissez la police, vous partez dans la forêt, dans le nord, vous allez trouver. On coupe les têtes des gens là-bas, ça coule le sang. Ils ont besoin du sang, ils prennent le sang fraîche. Le monsieur l'a fait du mal, hein? C'est lui qui détient Elie Padar. C'est parce qu'il il attendait que les gens se calment. Quand j'ai dénoncé l'endroit, il a demandé qu'on l'enlève. Il a demandé qu'on l'enlève. Il a demandé qu'on l'amène. Oui. Mais nous connaissons les prières qu'on a adressées à Dieu. Nous connaissons. J'ai dit toute la nuit, on était sur ça. Toute la nuit, on était sur ça. Voilà. Elie Padar était fatigué. Il est fatigué. Ils l'ont fait boire de l'eau bizarre avec des poisons dedans pour l'affaiblir. Ils l'ont donné des choses que même que c'est Dieu qui peut le purifier. Sinon, c'est... Ah! Sinon,
Dans tout ce que j'ai vu là, le champ là, comment on coupe les têtes des gens là, il y a les femmes dedans. Il y a les femmes dedans. Il y a les femmes dedans. Moi, je viens plus détailler certaines choses ici. Il y a des choses que je vais garder. Parce que parfois, plus je détaille les choses, ils essayent d'esquiver. Il y a de tout, je ne vais pas tout dire. Je vais dévoiler leur plan. Mais ce que Dieu veut faire, je ne dévoile plus. Par exemple, ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, je ne dévoile plus. Parce que ça les aide aussi. Moi, je ne dis plus tout. Ce que Dieu va faire là, moi, j'ai dénoncé. Ça sera chaud en Côte d'Ivoire. Mais le détail, ce que je vois là, je ne dis plus. Parce que eux là, ils se servent de ça pour esquiver certains enjeux. Je ne dis plus. Eux, ils me suivent mieux que vous tous. Je vous dis, tous ces présidents-là, ils savent. Ils savent qu'il y a une autorité. Quand on dit qu'il y a une autorité qui est au-dessus d'eux, comment ils peuvent. Ils me suivent mieux que vous. C'est vous qui ne me voyez pas. Eux, ils me voient bien. Ils ont les yeux ici. Ils ont l'œil là, ici. C'est ici. Je ne dis plus tous les secrets. Non. Comme c'est l'Ipada, ce que j'ai prié jusqu'à nous, je ne dis pas. Je ne dis pas. Nous, on va acheter, on enchaîne tout le monde. Mettez-vous en jeûne. Nous commençons demain, aujourd'hui, demain, donc demain et dimanche, lundi. Donc, changement de position. Voilà. Changement de position. Merci pour les étoiles, mes princesses. Que Dieu vous bénisse. Pendant qu'ils attendent maintenant que je sais ce que j'ai fait. Je connais ce que j'ai fait. Attends-lui. Par la grâce de Dieu, quand il viendra, il vous expliquera lui-même. Nous bénissons le Seigneur, que Dieu le sauve, qu'il sorte de là. Qu'il sorte de là. Ils sont méchants. Ils sont très méchants. C'est pas gentil ce qu'ils font. C'est pas gentil ce qu'ils font. Mais la manière que Dieu va frapper les prophètes, soi-disant prophètes en Côte d'Ivoire, vous allez mettre les mains sur la tête. Ah, parce que dans le programme que Dieu me donne de vous donner là, des 3 jours, là, j'appelle à tous les jeunes qui se sont mélangés aux pasteurs qui ont les mains trempées, de se repentir. Même si vous vous êtes trouvé dans les réunions et que vous ne comprenez pas, ce n'est plus le rythme que votre Dieu vous a montré, quittez dedans. Parce que si vous n'êtes pas là-bas, ils ne peuvent pas vous avoir. Si vous n'êtes pas là-bas, ils ne peuvent pas vous avoir. C'est quand ils réussissent à vous amener manger. Les réunions, on a dit que réunion des pasteurs. Quittez dedans. Au ciel, il n'y a pas ça. Quittez dedans, je vous dis. Oh. Ils s'arrangent, ils vous encerclent. Vous ne voyez plus venir. Mais si tu étais dans ton coin, ils viennent comme des amis. Le Seigneur m'a montré. Ils sont venus sur Elipada comme les amis pour la voir. Ils sont venus, le Seigneur me dit que maintenant, depuis qu'il est là, il n'y a personne. Je n'entends la prière de personne. Je n'entends la prière. Le Seigneur m'a dit clairement, ma servante, ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné. C'était mon serviteur. Ils l'ont touché. Ma servante, ils ont touché. Ils l'ont amené, ils l'ont flatté petit à petit, amené dans leur camp. Pourtant, il a bien commencé. Mais je lui avais averti. Mais le Seigneur m'a bien dit, attendez. Attendez. Vous pensez que vous allez jouer comme ça avec les enfants de Dieu? Tous ceux qui détournent les Mohamed Sanogo, vous tous, les gros poissons là, qui détournent tous ces enfants, vous allez voir. Dès qu'ils se lèvent, ils donnent une prophétie, Dieu, ça vous menace. Vous mandatez les gens derrière eux. Vous faites tout ce qu'ils rentrent dans vos camps. Attends, il y a un autre là-bas qu'on appelle Étienne. Étienne, écoute, Elipada n'est pas ton niveau. Ça n'a rien à voir. Toi, tu es parti, toi-même, tu fais le marabouta, toi-même ajouté dans ce que tu fais. Tu ne connais même pas ce qu'on appelle prophète. Il n'y a ni même appel sur toi. Étienne, non. Non. Et il ne faut pas se cacher derrière Elipada pour te blanchir. Il ne faut pas se cacher derrière Elipada pour essayer de vouloir m'amener une image autre que tu n'es pas. C'est faux. C'est de vous là qui ont trompé les autres. Mais tu sais qui tu es. Tu sais ce que tu fais. Toi, on ne peut pas te tromper. Tu es un malin et tu es un voleur. Il s'appelle Étienne, merci Céleste. Pourquoi quand j'ai crié, comment on peut dire qu'un prophète, quand vous regardez, tu avais les bijoux remplis ici, les gros couliers jusqu'ici, il manquait seulement les boucles d'oreilles. Pourquoi tu as retiré si tu n'es pas voleur?
Parce que ce que je mets, là, chapeau, si quelqu'un ne peut pas parler sur ça, j'enlève. Parce que c'est normal. Pourquoi? Tu savais, c'est avec ça que tu envoûtais bien les gens, non? Aujourd'hui, tu t'habilles comme un homme normal, tu n'as plus de bijoux partout. On dirait que tu es une femme déguisée. Mais Dieu va s'occuper de toi. Tu vas voir le jour. Ça va arriver devant toi. Bam! Tu vas dire, ouais. Je dis, vous. Et même si tu veux, je vais faire une prière, je peux te demander que tu vas sécher. C'est-à-dire que publier comme ça, tu as utilisé le nom d'Élie Paga. Tu as cherché les vues derrière cet homme. Et tu as menti. Tu as menti pour que le peuple ne puisse pas aller sur le droit chemin. Il dit que la femme si avait parlé d'Élie Paga. Oui, j'assume, je ne refuse pas. Même moi aussi, elle a parlé de moi. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas pareil. Élie Paga, que Dieu dit, on l'a fait entrer, mais il ne savait même pas. Mais toi, tu es parti, donc on l'a piégé, mais toi, tu sais ce que tu fais. C'est eux les naïfs. Il y a plein de jeunes prophètes en Côte d'Ivoire comme ça. Mais tu vas confirmer le code. Tu vas confirmer le code. D'ailleurs, tu vas sécher. Je dis, tu vas sécher. Et personne, c'est irrévocable. Oh, on va dire que c'est toi. Et je vais faire, comme je parle et tu vas entendre, tu vas confirmer le code qu'il y a une personne qui a parlé sur toi. Écoute, toi-même, tu vas commencer à te comporter bizarrement devant les gens. Toi-même, tu vas sortir ton côté négatif. Toi-même, tu vas te dévoiler. Ce n'est pas quelqu'un qui va parler de qui tu es. Toi-même, tu vas dégoûter les gens. Ton attitude va dégoûter les gens. Toi, Étienne, tu t'es joui. Tu as profité de la faiblesse de quelqu'un pour gagner les vues. Mais ces vues-là vont te coûter la vie. Tu vas confirmer. Écoute, c'est toi qui cherches que les gens t'acclament. Moi, je ne veux pas qu'on m'acclame. Je n'ai pas besoin qu'on m'acclame. Ah, moi, je suis passé par toutes sortes d'épreuves. C'est vous qui cherchez le confort avant le temps, les voitures qu'on vous escorte. Moi, je n'ai pas besoin. J'ai ma petite voiture vieille, je roule dans ça et ça me suffit. C'est vous qui voulez montrer ce que vous n'êtes pas. C'est vous qui voulez qu'on vous escorte les gardes-corps. C'est ça, c'est pour ça que vous mettez vos mains partout. Maintenant, quand ça te dépasse, tu veux prendre un enfant collé dessus. On avait aussi dit que les voleurs comme ça, là. Tu peux prier pour qui? Quelle est la prière que tu peux faire pour quelqu'un? Toi-même, il faut d'abord prier pour toi. Quelle prière? Pour montrer absolument que tu n'as même jamais connu le Saint-Esprit. Tu as fait une grosse erreur. En disant que quand je parle, je fais comme une personne qui est ivre. Ah, ça voulait tout dire. Si tu connaissais les versets, bébé, qui disent que ceux qui sont remplis du Saint-Esprit font comme des ivres, tu ne devrais jamais sortir une parole. Ça montrait que tu étais dévoilé à ton peuple, mais ils n'ont pas compris le message. Ils n'ont pas compris le message. Et c'est comme ça que vous vous dévoilez. Mais le peuple, tellement il est aveuglé, il ne voit pas. Ça montre que tu n'as même jamais été prophète. Tu n'avais même jamais commencé à manifester le Saint-Esprit avant d'oublier. Tu n'avais même jamais commencé à manifester le Saint-Esprit avant de dévier. Vous avez commencé avec la calculatrice à la main dès le matin. Comment je vais faire jusqu'à ce qu'on va me déposer ceci aujourd'hui? Je vais inventer quoi? L'argent que tu as pris pour les avocats, là, tu as fait quoi? Tu vas voir. Ça va te coûter. Tu vas voir. Ça va te coûter. Vous manipulez le peuple de Dieu. Vous les empêchez de voir. Vous partez sécréter quelqu'un. Vous les amenez quelque part. Et vous tous, vous savez vos bandes. Vous savez. Mais vous amenez le peuple à nos nord. Vous amenez au sud. Vous amenez à l'est. Vous avez peur qu'on découvre où il est. Mais attends, c'est... Quelqu'un qui est l'esprit rempli du Saint-Esprit ne peut pas suivre sa vidéo deux minutes. Il ne peut pas. Tu vas avoir toutes sortes de démons. Non, tu vas voir comment les serpents se manipulent devant toi comme ça. Mais ce n'est pas pour blaguer. Ce n'est pas pour blaguer. Je ne le connaissais même pas quand sa photo est arrivée devant moi. Le Seigneur m'a dit, lui là, c'est un marabout, je ne le connais même pas. Et quand j'ai prononcé son nom, j'ai reçu un message que quelqu'un m'a envoyé, il m'a détaillé quelque chose.
Les gens, si, quand ils n'arrivent pas à t'avoir, ils sont prêts à tout. Ils consacrent les gens pour tuer. Ils consacrent les gens pour, j'ai dit, pour enterrer. Mercedes. Il a même, il ne veut plus le nom là, parce que je l'avais dénoncé dans le nom de Mercedes. Il cherche comment faire pour ne même plus qu'on l'appelle Mercedes, comme c'était connu partout. Mais vous allez confiner. Vous ne pouvez pas esquiver le Seigneur. Car le jour s'est levé. Hein? Le jour s'est levé. Ah, le jour s'est levé. Vous ne pouvez pas jouer avec le peuple jusqu'à ce point. Et vous, d'après vous, ah, en tout cas, tellement vous êtes voilé, vous ne savez même pas que le monde a changé. Tellement vous êtes voilé, vous ne savez même pas que ça va exploser bientôt sur derrière vous. Là où vous êtes assis, sur les chaises que vous êtes assis, la bombe va exploser dessus. Je vous dis, vous n'allez pas voir venir. Vous avez trop tué les destinées. Vous avez trop volé les grâces. Quand vous déclarez les prières là, attends, ce que tu mets dans ta bouche, tu manges avec avant de venir parler là. Regarde ta bouche, regarde. Ce que tu mets dans ta bouche là, avant de venir parler là, c'est quoi? Quel est ce que tu mets dans ta bouche avant de venir parler? Quels sont les courriers que tu mets ici sur toi? Ah! Qu'est-ce que tu mets sur ton eau avant de, quand tu finis de laver, la poudre que tu verses là, tu te laves avec? Quelle incantation tu fais à minuit? Étienne, viens répondre ici. Quelle incantation tu fais à minuit? C'est quelle incantation tu te lèves à minuit? Tu couches avec quelle femme la nuit? Écoute, oh, tu invoques quel esprit la nuit tu couches avec? Viens d'ici. Tu as combien d'esprits que tu couches avec la nuit? Viens d'ici. Ah! Quand moi, je vais fermer ma bouche, vous voulez que je parle? Tu veux que je parle? Tu veux que je lis ta dictée ici, là? Vous voulez que je monte? Écoute, moi, écoute, quand je me mets, si je veux entrer sur un pasteur, je peux détailler jusqu'à dire ce qu'il fait. C'est parce que ils sont tellement nombreux à dévoiler. Ils sont tellement nombreux à dévoiler que je viens, je dis que celui-là, il faut que je quitte. Mais écoutez mes premières vidéos, j'ai détaillé ce qu'il faisait la nuit. Ah! Tu te laves avec quelle eau, Étienne? Tu te laves avec quelle eau dans ton sac là, que tu marches avec là, la malaya, quoi, comme grigui dedans? Là où tu te couches pour dormir, sur ton oreiller, il y a quel grigui dedans? Il y a quoi dans le tu là, dans le bol là, dans la chambre où tu fais tes incantations là? Il y a une calabasse dedans, le serpent est dedans, tu inverses ça, c'est pas vrai? C'est pas vrai? Viens me dire que c'est faux. Il n'y a pas un serpent dans ta chambre secrète? Il n'y a pas un serpent? Tu me parles de Jésus, est-ce que tu l'as déjà connu un jour? Est-ce que tu as déjà connu qui on appelle le Seigneur Jésus? Étienne, est-ce que je dis, ce que je vois, la calabasse, la marmite, là, avec les serpents, où tu fais les incantations, tu prends le nom de tes fidèles, tu amènes dedans, tu parles, je veux qu'il me donne l'argent, je veux qu'il me donne l'argent, je veux que celui-ci, à partir de maintenant, c'est moi celle qui m'aime. C'est le poudre, la poudre que tu mets pour le charme, la poudre que quand tu parles, tout le monde croit en toi, là, c'est quoi? Tu peux venir détailler? La poudre que tu écoutes, la même poudre tu verses et puis tu mets un peu ici et tu déclares, tu prends le nom de tes brebis qui te fait confiance là. Et parmi les brebis qui te fait confiance, d'autres connaissent ce que vous faites dans les secrets. Dis-moi le contraire. D'autres connaissent ce que vous faites dans les secrets, Étienne. D'autres connaissent ce que les autres sont ceux qui se ramassent pour aller pour venir vendre. Mais l'autre savent que tu es un marabout né. Et ce n'est pas différent de Asie 47. Et je préfère Asie 47 par rapport à Étienne, parce que Étienne, Asie 47 assume qu'il est un marabout. Mais Étienne utilise le nom de Dieu et pourtant il fait la même chose qu'Asie 47. Le nom de toutes tes brebis, les photos, tu imprimes. Tu imprimes sur Facebook, tu peux travailler là-bas, n'est-ce pas? Étienne,
Dis le contraire. Dis le contraire. Tu seras foudroyé. Mon Dieu va te dire, tu as osé. Tu seras foudroyé. Parce que tu sais, là où tu te couches pour dormir, il n'y a pas un gris-gris avec lequel tu fais le voyage ancestral. Ce n'est pas le gris-gris là qui t'amène à voyager la nuit pour entrer dans la maison des brebis. Ce n'est pas toi qui se transforme en mari de nuit. Tu as le visage d'une femme brune pour coucher avec les brebis. Ce n'est pas toi. Dis-moi le contraire. Kabados ki brokondi karimandakas ki borosh kita. Toi, tu fais... Attends. La nuit là. Toi, la nuit là. Quand tu veux dormir sur ton oreiller, tu as posé un gris-gris là-bas. Celui-là te sert à voyager. Sinon, tu peux voyager. Tu as le Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit. Étienne, quel est le gris-gris? Quel est le gris-gris que tu as? Quel est le patron que tu as au Ghana? Donne-moi le nom. Tu t'amuses, je te donne le nom. Quel est le patron que tu as au Ghana? Étienne, tu ne l'appelles pas tout le temps? Est-ce qu'il y a parfois certains de tes brebis qui t'appellent, te disent qu'ils ont des soucis? Mais ça, ce n'est pas lui que tu appelles, Étienne. Celui qui est au Ghana, là, est-ce qu'il n'est pas le seul? Tu as un autre ou au Bénin? Ce n'est pas ce que tu passes ton temps à faire? Hein? Celui qui est au Ghana, là, après même, tu n'as pas un autre encore au Bénin? Tu as déjà lu la Bible? Tu connais ce qu'on appelle manifester le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais qui est réellement le Seigneur Jésus? Hein? Dis-moi. Avant de venir parler là, tu as mangé quoi? Tu as mis quelle poudre ici? À l'intérieur de ta main, quel est ce que vous avez tracé dessus? Pas ton marabout. Quand tu es parti t'asseoir devant lui là, il n'a pas fait quelque chose au milieu de ta main comme ça? Ils n'ont pas pris les écorces, ils ont travaillé ici. Ils t'ont dit quand tu vas saluer les gens avec ça, tu détestes la grâce. Est-ce qu'ils n'ont pas mis quelque chose sur ta pomme de main avec lequel tu inaptises les gens? Est-ce qu'on n'a pas mis quelque chose entre tes mains avec lequel tu fais tomber les gens? Ah! Dis-moi le contraire. Et tu me parles de Jésus? Tu me parles de Jésus? Non, tu ne le connais pas. Quel est le serpent avec lequel tu travailles la nuit? Quel est le visage de la jeune femme, la femme des eaux, là, que tu peux accoucher les femmes, tu te déguises? Celui qui est l'esprit fort, il voit le serpent qui entre chez lui, il sort. Mais même quand il y a d'autres qui ont vu ton visage, est-ce qu'il n'y a pas des fidèles qui t'ont dit que ton vu, tu es venu la nuit? Et tu dis que, ah, on a pris ton visage. Non, c'est parce que l'esprit de ces fidèles est fort. On a pris ton quel visage? C'est ce que tu passes ton temps à faire, à voler les grains de tous les brebis. Et toi, tu viens parler du Seigneur Jésus, des prophètes. Pourquoi il y a les crashs entre vous? Pourquoi tu n'aimes pas les autres? Parce qu'ils ne t'ont pas amené dans leur secret. Toi, c'est parce que tu ne les as pas amenés dans leur secret. Toi, tu peux prier pour Elipada. Voilà pourquoi je rigolais. Maintenant, vous comprenez? Celui-ci peut prier pour Elipada. Tu peux affronter les esprits là. Tu peux combattre. Toi, tu peux. Un démon combat un démon. Voilà. Est-ce qu'un combat peut combattre un démon? Vous, entre vous, vous faites la concurrence, pourquoi? Parce qu'il y a la concurrence de qui a le meilleur marabout, non? Ce n'est pas qui prie mieux. Est-ce qu'entre vous, il y a la concurrence de la prière, concurrent qui a le meilleur marabout? Et que tu es parti où pour que ça donne comme ça? Amène-moi aussi. C'est parce que vous vous dites entre vous, Étienne. Viens répondre ici. Viens répondre ici. C'est parce que vous vous tuez là entre vous.
Toi, tu as, toi, il y a des gens que tu ne veux pas voir parce qu'ils ont avancé mieux que toi. Et qu'ils ont les meilleurs secrets des maraboutages plus que toi. C'est pas ça. Et comme ton cœur est noir, tu n'aimes pas que quelqu'un a la voiture plus que toi. Tu ne supportes pas que les autres ont la foule plus que toi. Tu es parti au Ghana, tu es parti au Bénin. Le monsieur là que tu parles, le voit tout le temps là. Celui que tu appelles pour consulter quand tes enfants viennent te voir là. Viens nous donner le nom ici. Tu veux que je donne le nom? Hein? Le monsieur là, le monsieur là au Ghana là, tu t'amuses, il va venir t'afficher. Si tu m'énerves, je vais prier que le monsieur là vienne donner ton nom publiquement dans Facebook. Tu m'énerves, je dis que je viendrai dire. Je dis au monsieur, je lève ma voix, je dis, père, sors-moi le marabout, il vient ici parler. Quand on vous laisse calquer, écoute, moi je vous regarde, je rigole. Parce que je suis trop occupé. Hein? Parce que je suis trop occupé. Vous pensez que moi, je vous vois. Attends, d'ailleurs, vous savez que je vous vois. Tu veux blaguer avec qui? Tu veux blaguer avec qui? De la même manière, j'ai traité. Écoute, je te mets dans le même panier qu'Angela. Vas-y maintenant. Voilà, tu vas confirmer le code bientôt. On ne va pas dire. Je vais t'exposer publiquement sur Facebook. Voilà. Ce que dit là, ça sera avéré. Les gens viendront publiquement. Le scandale va sortir sur toi. T'as pas dit que vous n'avez pas dit que vous avez les marabouts qui ferment les bouches des gens. J'ouvre leur bouche, ils vont parler. Quand vos féticheux, quand vos enfants voient les choses, vous appelez les marabouts qui ferment leur bouche, qui ne parlent pas, non. J'ouvre toute la bouche des gens qui t'ont vu et de tous les gens que tu as escroqués. Maintenant là, tu seras désormais affiché. Attendez. Je délie, je découle leur bouche, je délie leur bouche tous. Ton scandale sera dehors. Et d'ailleurs, tu me suis en cachette. Pourquoi tu ne commentes pas? Je te vois, tu me suis. Tu fais quoi? Comment? Pourquoi tu ne commentes pas? Tu te connais, tu fais comme si... Mais écoute, tu vas voir. Écoute, tu vas maudire ce jour. Je dis, tu vas maudire ce jour, mais ça ne finira jamais. Mais les gens le connaissent, non? Vous tous, vous le connaissez, non? Voilà. Et la croix qui est sur ton cou là, c'est pourquoi? La séduction que tu es allé voir, tu es comme ton maître. Là, j'ai dit, la croix là, c'est pourquoi? Tu peux me dire, tu n'as pas travaillé sur ça. La croix là, il n'y a pas un œil dedans. Hein? Il n'y a pas une puissance que tu as déposée. Vous blaguez avec les qui là? Est-ce que vous connaissez même que je vous vois jusqu'à là où vous ne pouvez pas imaginer? Toi, tu t'amuses avec qui? Tu t'amuses avec qui? Hey! Vous faites quoi avec les croix? Est-ce que Jésus vous a demandé de porter la croix? Lui seul, il avait porté la croix, ça suffit. Qu'est-ce que vous mettez ici? Ce n'est pas vos gribilles. Et ça dépend de la dimension du travail sur vous. Moi, quand je ne veux pas parler, il ne faut pas pousser haut. Si je me mets sur toi, je détaille là. Hein? Quand tu vas aller prêcher, quelle est la poudre, quelle est l'huile que tu prends, tu fais comme ça, tu mets sur ton visage. Dis ici. Dis ici, toi là. Dis ici. Hein? Et comme ça ne suffit pas, il y a quoi que tu mets sur la plante de tes pieds avant de mettre sur tes chaussures? Et en bas de tes chaussettes, avant de mettre à l'intérieur de ta chaussure, c'est quoi? Dis. Après, vous dites que quelqu'un, attends, ce qui me tue, ce que vous appelez quelqu'un, les gens comme vous appelez quelqu'un faux pasteur. Comment on peut se déguiser comme ça? Il manque seulement que tu mets la robe. Il manque un peu seulement que tu mets la robe. Comment on peut se déguiser comme ça? On peut être malson comme ça. Mais quand on est faux là, je respecte au moins ceux qui sont faux là, mais qui n'accusent pas les autres. Quand ils sont faux là, ils se cochent leur bouche, ils restent calmes. De peur de vouloir dire que quelqu'un est faux, leur passeur. Hein?
avez toutes les chaînes ici, les chaînes aux courses, les chaînes aux courses. Avec ça, vous allez. Vous avez traqué les enfants de Dieu avec ça. Avec ça, vous allez vous suicider. Vous tous. Hein? Non, il ne peut pas dormir. Puisqu'il sait que tout son secret est dehors, il va maintenant encore faire comment? Il va maintenant encore faire comment? Et quand c'est dehors, là, c'est la faiblesse. Quand je n'ai pas le temps de détailler, ne pensez pas. Écoute, quand je détaille là, il meurt tout de suite. Il va pratiquer sur un enfant. Quel est le démon que tu chasses le démon avec? Quel est le démon que tu mets les démons sur les démons? Hein? Hein? Vous pensez qu'on s'amuse comme ça avec le peuple de Dieu? Je t'avais dit que non, tu seras la première liste. Mon Dieu m'avait dit que tu seras dans la première liste. Voilà pourquoi tu es dans la première liste. Vous ne pouvez pas utiliser les gris-gris, les fétiches, à tel point que vous y avez vu un autre au Congo. La puissance du marabout, c'est la puissance de Jésus. Amen. La puissance du marabout, c'est la puissance de Dieu. Amen. La puissance du marabout, c'est la puissance de Jésus. Il était déjà possédé par l'esprit en personne, mais il fallait qu'il confesse ce qu'il fait. Mais vous allez tous confesser. Vous allez tous confesser. Vous n'allez pas vous échapper quand je vous ai dans mon collimateur. Quand tu as la malchance, ta vidéo passe devant moi, c'est que c'est fini ton jour là. Et vous allez faire quoi? Ça va t'énerver, tu vas faire quoi? Tu chasses les démons avec un démon. Donne le nom. Ouais. J'ai dit, tu chasses les démons avec un démon. Quel est le montant d'argent que tu envoies tous les mois là chez tes maîtres? Et quand tu n'envoies pas, la puissance diminue. Dis ici là. Dis. Quand tu étais parti, tu te rappelles qu'on t'avait amené au bord de la mer, au bord de l'eau, pour t'initier la nuit? Tu te rappelles? Je te vois là-bas. Et tu es rentré, tu as dit que tu es prophète. La foule a commencé à venir, ils ont dit qu'ils vont t'envoyer la foule. Et vous rappelez que la foule de Saint-Jean, là, parfois, c'est les démons pour vous tromper. Tu te rappelles, je te vois dans l'eau avec une étoffe rouge. On t'avait déshabillé comme tu es nu, tu sors du ventre de ta mère. On a mis une petite étoffe rouge comme ça, tu te rappelles? Tu te rappelles? Tu veux t'amuser? Tu te rappelles de l'eau où je te vois là-bas au Ghana, là? Je te vois, tu vois, non? Je te vois au bord de l'eau, je te vois nu, en haut, il n'y a rien, en bas, il n'y a rien. On a pris juste une étoffe rouge, je vois, check, on attache comme ça. Et on appelle un bon, l'esprit sort de l'eau. Vous commencez à vous embrasser, tu te vois ça? Tu vois? Je ne supporte même pas de voir ton visage. Parce que les esprits que je vois ici, je me demande tout le temps, les gens font comment pour regarder celui-ci. Je ne supporte pas. Tu veux son nom, il s'appelle Mercedes. Et Étienne quoi là? Il s'appelle une autre, Étienne, le voici, non? Mettez-le en grand photo, les gens vont voir. Voyez-le bien. Voyez-le bien. C'est un démon en personne, il me dit qu'il est pasteur. La photo que je l'avais prise avec, je l'avais vu avec des photos, mais les bijoux, là, maintenant, il a enlevé les bijoux. Il a enlevé les bijoux. Mais vous allez vous mettre ça en grande. Vous... Mais, les enfants, c'est pour toi. C'est qui était caché? Mais on ne voit pas. On ne voit pas. Voilà. Agrandis ça. Mais c'est qui tu as mis?
Ah, c'est lui. Agrandis ça. Voilà. Vous fatiguez les gens. Vous le voyez? Il s'est fait appeler prophète. Si mes enfants pouvaient trouver la photo où je l'avais dénoncé avec, vous allez voir qu'il y a même deux mondes différents. Pour vous dire que ces gens-là savent vous séduire. J'avais dit que j'avais démontré aux gens que mais comment quelqu'un peut avoir autant de bijoux sur lui en tant qu'homme. Bracelet jusqu'ici. Bracelet jusqu'ici. Le collier au cou jusqu'à... Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Vous l'appelez prophète de Jésus. Vous avez vu ça dans la Bible. La nuit, il est parti enlever tous les bijoux. Là, maintenant, il est comme... Allô, venez, j'ai besoin de vous ici, là. On dit que la photo, là, n'arrive pas à grandir. Vous n'arrivez pas à grandir? Jésus. Prophétesse. C'est un Ivoirien baolé. Voilà, c'est eux qui ont détruit les jeunes pasteurs, les pauvres jeunes pasteurs. J'ai mal. Parce que ils les appellent les pères. Et quand on les regarde agrandir la photo, s'il te plaît. C'est très bien. On les, les enfants les appellent les pères. Ils profitent de ça. Mais les mariages ne durent pas. Maman, mon mari veut partir. Et on est à l'église et le mari veut partir. Les pasteurs célèbrent sa part. Les pasteurs célèbrent sa part. Les pasteurs célèbrent sa part. Et c'est... Non. Ils ont enlevé. Ouais, c'est... Mais mettez comme c'était là, on va voir. Hé. Que vous avez trouvé. Regarde, regarde la grosse bague là. Regarde la grosse bague là. Regarde la grosse bague là. Ça fait quoi? Qu'est-ce que fait la grosse bague là? Hein? Regarde, quand il parle là, il a ça comme ça. Il faut que ça parle. Ça vous hypnotise. Aujourd'hui, il flou. C'est quel genre de chevalier comme ça? Vous n'avez pas trouvé d'autres photos que ça là. Bah, il faut enlever. Trouve l'autre nom. Pendant que tu trouves, il faut enlever ça. J'ai enlevé. Hey! C'est quoi la bague là? C'est avec ça qu'on tape sur vos fronts. Ça vole vos cerveaux. Ça vous inactise. Vous êtes là, daddy, papa, daddy. Oh, mon temps, tu descends. Tu dis, mon père, mon pasteur, c'est vraiment, il a tout fait pour moi. Le, la nuit, il vient coucher avec toi. Le matin, tu dis, daddy, oui? Voilà une photo qui vient. Ça, c'est mis à même plus assez de collier. De collier. Avant, il y avait trop de collier. Il y avait plein de colliers. Il manquait que les boucles d'oreilles. Ah, résident enfant, tu vas confirmer, ça va te trouver ici. D'après toi, tu te dis que ça va attaquer, tu as fini d'escroquer en Côte d'Ivoire, tu dis que tu viens ici. Tu vas confirmer. Hein, tu es sur mon territoire même. On verra, non? Vous, la manière que ça va vous soulever, vous allez courir, tomber par la tête, casser le cerveau, casser ici. Vous n'allez pas voir venir.
Je vous dis, la manière que mes anges vont vous racler, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, et vous allez confirmer. Je ne blague pas avec vous. Vous êtes sur un territoire qui... La nuit, je vais vous visiter. J'ai dit la nuit, je vais vous visiter. Maman, cette nuit, si je vais visiter toi, ce monsieur, tu vas confirmer le code. Écoute, attends-moi. Comment j'ai mis hein? Ah, voilà, voilà les bagues qu'il y avait partout, partout. Vous voyez les mains, non? Regardez-moi les mains d'un prophète. Regardez, 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 regardez. Là, il y a combien de bagues là? Deux. C'est marrant. Il y a l'autre doigt ici. Au chêne, l'échelle, il y a combien? Il a diminué hein, par rapport à ce qu'il y avait avant. La nuit, je vais te visiter. Attends-moi. Si tu veux, cache-toi, mais je vais te trouver. Je vais te trouver. Mes gens sont déjà en action. Je vais te trouver. Je vais te tabasser cette nuit. Je ne sais même pas pourquoi je suis que sur toi aujourd'hui. Mais c'est ton jour de machin. Dieu veut se venger contre toi. Son visage, ne voit pas son visage. Descends la photo, chérie. Il est content qu'on ne voit pas son visage. Il est caché. Il dit que si les gens peuvent oublier, enlever la photo comme ça. Oui. Mais Dieu, on voit son visage. C'est bon, Rémi, tu vas voir. Ah, voilà. Ah, c'est qui est derrière? Il dit le lion. Tu connais le lion de la tribu de Juda? Tu le connais? Tu le connais? Voilà, cette nuit-ci, je vais à ta rencontre. Je vais m'occuper de toi cette nuit. Tu es dans mon colimateur. Laisse la dans sa page. C'est quoi ça, chérie? Est-ce que moi, je sais? Et c'est pour posséder les enfants des gens. C'est pour posséder. J'aime ou pas? C'est pour posséder là, les gens. Pour... J'aime? Non, j'ai fini avec lui là. Je peux enlever ce qui est là-bas à l'image? Oui. On a fini avec lui là, il faut l'enlever. Aujourd'hui là, je vais te visiter. Je vais te tabasser. Ah, mais apparemment, le bracelet là, c'est l'œil du chien. Bah, bien sûr, il ne fait rien pour rien. Il ne fait rien pour rien. Je vais te visiter. En général, je vous surprends. Je ne viens jamais, je ne dis jamais ouvertement. Mais tu vas faire quoi? Mais je vais te visiter cette nuit. Tu ne peux pas m'échapper. Oui. Cette nuit-là, je vais te visiter. Je vais te visiter. Le matin, tu risques de faire une semaine, tu ne sais pas où tu te trouves. Je vais te... Tu vas voir. Sors tes aiguillons cette nuit. Tu me dis que... Yeah! Tu sais sa page comme ça? Non, c'est sa page. Même je suis choquée. Il faut que je vois ça. Là, vas-y. Mais le peuple, comment peut être aveugle comme ça? Comment vous voyez une page d'un prophète peut publier une chose pareille? Vous continuez à le suivre. Il publie là où on a fermé les yeux des gens. Il publie, il met le cardinal sur la bouche des gens. Ça veut dire que vous qui le suivez, vous n'allez jamais, vos bouches sont fermées. Mais et quand il met comme ça, il met une phrase en bas, mais à l'envers de ça, c'est ça. Il n'a rien dit dessus. Il publie seulement comme ça. Il ne met rien. Non, non. Et vous, papa, oh. En tout cas, je, que mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, ouvre la bouche de tous ceux qu'il a fermés. Il ouvre la bouche de tous ceux qu'il a fermé. J'ai dit que je préfère Asie 47 par rapport à tous vos sorciers. Parce que Asie 47 dit qu'il est féticheur. Il est intelligent. Moi, je lui ai dit qu'il ne faut plus dire que tu es le chef. C'est toi le patron des esprits aux États, en Côte d'Ivoire. Il n'a pas rejambé. Il connaît sa place. Mais regarde-moi quelqu'un comme ça là. Qui dort avec les serpents. Avec les femmes, ils couchent partout. Toutes les femmes du monde, ils couchent avec. Les hommes, ils couchent avec. Les maris, ils se transforment en femmes. Ils se transforment en hommes. Chez les femmes, ils masquent. Dans notre maison, ils rentrent avec les serpents. Ils avalent quand la bénédiction est sur le point d'entrée. Il y a d'autres qui cherchent ses mains à saluer. Ils tendent la main. Il y a d'autres, quand ils arrivent à l'église, ils récupèrent l'onction qu'on vous a donnée depuis les eaux. Tu utilises, tu mets sur ta main. Tu tapes sur tout leur front. Stérilité, sécheresse, stérilité, sécheresse, divorce, pauvreté, c'est comme ça. C'est tout ce que tu sais communiquer dans la vie de ton peuple. Et ton royaume grandit. À partir d'aujourd'hui, ça descend. Tu vas me... Je dis cette nuit-ci là. Mon père, non. Prépare l'armée. Je vais te... De toute façon, je n'ai même pas besoin de l'armée avec toi.
Avec toi, j'ai pas besoin de l'armée. Je change de ton photo, quoi. Hein? Je change de ton photo, c'est bien. J'ai pas besoin de l'armée avec toi. Mais t'es pioté cette nuit. Les photos qui publient, je ne veux pas publier à mes enfants parce que je ne veux pas fermer la bouche de mes enfants parce que Délan, c'est mystique, il a parlé dessus avant de publier. Il a parlé dessus avant de publier. Moi, je ne peux pas envoyer ça sur la page de mes enfants. Mec, mais je vais les traquer cette nuit. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est pas écoute, j'ai déjà dit de ma bouche, il va confirmer cette nuit-ci. Il va confirmer. Et le scandale va commencer dans sa vie. Tout ce que tu travailles. Mais si tu veux, va garder au sous-sol. La terre ici, là. Le monde entier. Il n'y a pas un endroit où je ne peux pas entrer. Va, je dis, il n'y a pas un endroit en esprit où je ne peux pas entrer. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Va mettre tes produits où tu veux. Je vais récupérer cette nuit. Avale dans ton ventre. Je vais récupérer cette nuit. Si tu mets dans ton ventre, je vais diviser avec, avec l'épée aujourd'hui là. Tous tes produits avec lesquels tu travailles, là, je vais récupérer ça. Tes serpents seront tués. Tes gris-gris seront récupérés. Tes yeux spirituels seront récupérés. Tes fétiches seront récupérés. Le nom de tous les peuples que tu as mis dans un trou. Je vais retirer ça dans tous les trous. Et toi, tu vas commencer à chuter. Voilà. Ce que tu nourris ton serpent, la bénédiction du peuple que tu dévis, chaque fois un enfant t'appelle sur le point d'être béni, dès que tu es au courant, la bénédiction du serpent avale. C'est pas vrai? Voilà, vous voyez, les gens qui sont en esprit disent que rien que sa photo les importune. Rien que sa photo. Moi, quand je parle, vous pensez que moi, c'est parce que j'attends. Attends, quelqu'un ne peut pas avoir l'esprit de Dieu. Les gens ne peuvent pas déposer, finir de voler au quartier, braquer les maisons. Il dit, bon, ok. Il forme un groupe, il dit que, bon, attends, écoute. Comme le vol est devenu compliqué, les banques sont fermées, allons devenir, il faut qu'on parle, un marabout devient prophète. Et les gens comme ça, on les fait cadeau. Les gens comme ça, on les fait cadeau. Et là, il est venu à l'église avec quoi? Dans le but d'avoir de l'argent. Dans le but d'escroquer. Et manger. Attends, ton église à partir d'aujourd'hui à terre. Ton église aujourd'hui est à terre. Ouais. Vous allez confirmer ce que vous avez fait sur les enfants déjà en Côte d'Ivoire. Je vais vous récupérer one by one. Le certain où tu te trouves malin, un faux prophète qui est là-bas, je le rencontre sur mon chemin aujourd'hui, il est foutu. À cause de toi. Et tout le monde va t'haïr parce que c'est à cause de toi que je suis venu là-bas. Ouais. La réunion où tu te trouves, les gens vont t'en vouloir. Les gens, tu vas devenir l'ennemi des gens. Parce qu'ils vont dire que pourquoi tu allais provoquer la dame là? Tu sais très bien que c'est un problème. Tu sais très bien que ça, la dame là, il ne faut pas toucher. Comment là, où elle met son pied, il faut enlever ton pied. Comment? Parce que à cause de toi, je vais casser votre réunion. Cette nuit-ci. Et personne, aucun de vous ne peut venir. Aucun de vous ne, il n'y a pas un endroit où vous pouvez vous cacher. Il n'y a pas. Même seulement si je veux, en une seconde, mon Dieu vous réunit sur place, vous n'allez même pas voir venir. Voilà. Vous parlez de des esprits, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle un être esprit. Je vais vous traiter. Et vous allez confirmer le code. Vous connaissez le monde spirituel, vous ne connaissez rien. Vous êtes que des petits marabouts. Vous ne connaissez pas le monde spirituel. Vous ne savez même pas combattre. Vous ne connaissez même pas comment on agit dans le monde spirituel. À part voler les petits serpents et entrer dans les chambres des gens couchés avec. Les vrais hommes en esprit, ils vont à une autre dimension. Tu n'as pas besoin de l'aide de quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'aller demander les fétiches pour faire les voyages ancestrales. Tu n'as pas besoin. Tu fais les voyages ancestrales avec quoi? Tu pars encore aujourd'hui, tu vas tomber.
tu vas descendre du ciel parce que ton gris, à partir de maintenant, comme je palie les nuls, ton serpent, à partir du jour que je palie les nuls, est irrévocable. Ce qui sort de ma bouche est irrévocable. Tout ce que tu as fait dans la vie des filles, j'annule. Dans la vie du peuple, j'annule. Dans la vie des hommes, j'annule. Et les noms, leurs photos, j'envoie le feu, ça se brûle maintenant. Et tu ne me feras rien. J'ai parlé et tu ne me feras rien. Si ça te dérange, défends-toi. Malheur à toi, en voulant parler, tu te donnes, tu sors des paroles. Dieu va s'occuper de toi. Ce sera la rapidité de ta mort. Le plus vite. Jusqu'ici, j'ai été trop gentil avec vous. Maintenant, je vais commencer à vous traiter en un. Regardez comment on traite quelqu'un. Vous allez confirmer le code. Je vous dis, ça n'est pas écouté. C'est fini. C'est terminé la récréation. Écoute, dans ton calabasse là, j'ai détruit l'eau, elle ne va pas, elle ne va plus œuvrer comme tu aimes. C'est fini. Je sèche ça. Les habits que tu t'habilles avec la nuit pour invoquer le, pour invoquer ton Dieu là. Tu connais les habits que ton marabout, vos marabouts vous ont donné, non? Quand tu veux ceci, tu portes tes habits. Quand tu veux ceci, tu portes tes habits. Tu connais, non? Les habits là, tu vas porter pour vouloir t'envoyer, ça ne va plus donner. Pour sortir de ton corps, ça ne va plus donner. Même ton marabout va te rejeter. Parce qu'il sait que tu es déjà sous l'œil de Dieu. Le regard de Dieu est sur toi comme ça. Les vêtements que tu portes pour te transformer là, tu te transformes en tigre, tu te transformes en léopard, tu te transformes en scorpion, tu te transformes en escargot, tu te transformes en souris, toi. Mais je vais te traiter. Ta langue, les médicaments, la poudre que tu as gardée là, dans ton hôtel là, c'est toujours un endroit où ça reste la poudre là, que tu mets dans ta bouche pour parler, pour que tout le monde te croit là. La poudre, elle est nulle, sans effet, elle ne va plus. À partir de cet instant, tu vas mettre maintenant la poudre, tu vas dégoûter les gens. Tu parles, ça pue. Oh. Moi, je connais tous vos secrets. Quand tu vois, je parle, tu vois que je comprends tous vos secrets. Ton pupille là, quand vous voulez vous positionner quelque part pour prêcher, il y a quelque chose que vous mettez entre vos mains. C'est sur la bague. Vous faites tout pour que ça touche d'abord le pupitre. Parce que vous avez peur de se faire frapper. Qu'une femme qui a les yeux dans la salle se lève. Vous allez être foudroyé. Ouais. Partout où vous partez maintenant, vous serez ridiculisé. J'ai dit, et c'est scellé. Personne ne peut révoquer. C'est irrévocable. Au nom de Jésus. Tu vas voir. Voilà. Le matin, je viendrai donner le verdict, le nombre de personnes de ce que vous faites. Parce que cette nuit, je vais m'occuper de toi. Tu ne vas pas t'échapper. Tu ne vas pas t'échapper. Il faut demander quand je me lève au Cameroun sur Leslie, sur une défaut. Hey! Elle ne s'avance pas sur mon périmètre. Va demander à l'onci. Va demander à défaut. Prophète défaut. Va le demander. Demande à Ivan Castano. Quand il est parti passer dans mon périmètre, il n'est plus jamais revenu. Et il est parti avec une séquelle. Il va devenir fou. Parce qu'il est passé sur mon périmètre. Pourquoi il n'est plus revenu? Va demander à Ivan Castano. Je vais m'occuper de toi. Demande à Ivan Castano. Tu vois, Mohamed Sanogo, il ne vient pas. Il envoie que les gens. Moi, je demande que lui, pourquoi il ne vient pas dire non. Il n'a pas envie. Mais il envoie ces gens, mais il ne vient pas. Mais c'est Ivan Castano qui a osé m'envoyer son pied lui-même. Avec sa délégation de Paris. Il a confirmé le code de ce jour. Je ne sais pas avec qui tu as fait. Il était traité. Tu vas voir. Vous pensez que je suis là pour blaguer? Je ne suis pas là pour blaguer. Ouais? Quand je parle de toi, si tu as la machine, tu lèves la tête, c'est là que tu veux mourir. Parce que quand je parle de toi, je suis doux, je suis en train de t'avertir, de te rattraper. Donc, je ne t'en veux pas. Mais quand tu tentes de te lever, comme si, il faut regarder Angèle. Il faut regarder Angela. Parce qu'elle s'est levée.
Elle a voulu entrer dans mon église. Je l'ai récupérée. Je l'ai ramenée que chez elle. Je l'ai traitée que chez elle. Tout ce qu'elle avait fait chez elle, j'ai détruit tout et je suis sortie. Faut regarder comment elle est. Faut regarder. Écoutez, faut pas passer où je suis. Voilà. Faut pas passer. Faut pas passer. Faut pas passer. Et ce n'est pas toi seul que je cherche. Je cherche toi et tes grands. C'est toi. Je vais vous mélanger tous aujourd'hui. Parce que tu es le chemin et pour ça, à cause de ça, on va te détester. Je vais passer par toi pour avoir tous ceux qui sont derrière toi. Tes maîtres, tes patrons, là, c'est eux que je veux. C'est eux que je veux, c'est eux que je veux. Je vais m'occuper d'eux. Là où ils sont là, ça s'insulte entre eux déjà. Ça va pas. Ils sont en train de prier que je ne prie, que Dieu fasse que je prie qu'une autre prière aujourd'hui passe sur eux. Ils savent, ils connaissent l'élément qui parle. J'ai dit qu'aujourd'hui, vous commencez pour Eli Pada. Demain et lundi, on a changé d'avis. Aujourd'hui, Eli Pada est pour tous les Côte d'Ivoire parce qu'on a prévu les enlèvements comme Eli Pada aussi. Il y a les gens ici là, vous savez, il y a les nuits que je vais maintenant m'occuper que de vous. Je suis côté one by one. Vous allez voir. Je vais vous chicoter parce que vous avez assez fait le bruit dehors. Je vais vous rendre silencieux. Vous faites trop de bruit. Vous faites trop de bruit et dans le zéro. Je vais vous écouter. Tout ce que vous faites là, je vais mettre tout dehors. Je vais sortir toutes vos saletés cachées là dehors. Tu vas voir. Tu vas voir. Comme... quand vous parlez là, vous blaguez. J'ai dit, c'est pas parce que je ne peux pas gâter ma nuit pour toi seul. J'ai dit que c'est tout ton groupe. Tout ce qui est derrière toi, c'est ça là, le clan qui est derrière, c'est ça que je veux. Et je ne parle pas en guerre pour toi seul, tu es petit. Tu es petit. Tu es petit. Tu es petit. Tu n'as pas compris? Trop petit. Alors, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Les gens comme ça là, je vais déclarer que Dieu vous protège. Vous dites qu'il y a plus de 800, il y a plus de millions. Oh, oh, ah, oh. Même les enfants, même les jeunes Ivoiriens, ils sont entrés dedans, mais ils ne savent pas. Ils se disent qu'ils servent le vrai Dieu. Il y a plein de jeunes pasteurs qui ont mis la main, mais sans savoir. Ouais, avant de se rendre compte, même, ils sont dedans. Ils ne savent pas. Ils se disent que s'ils lèvent la tête, on va dire qu'ils ont trahi leur père. Mais Dieu, regardez l'histoire de Samuel Eli. Samuel Eli, ça devait vous parler. Dieu avait permis l'histoire de Samuel Eli pour parler à ce jeune, à cette génération qui se lève, un père est faux, il continue à mourir derrière le père, sachant que ça tue son don en disant qu'il ne sait pas comment il va faire. Mais non. Alors, écoute, je vous dis quelque chose. Vos maraboutages, vos prières, que vous êtes en train de faire, vos incantations, là, c'est retour à l'expéditeur. Ça ne me fait rien. Les mains, si je travaillerai à vie, je délivrerai à vie. Et c'est intouchable. Et rien de vos incantations ne peut me toucher. Etienne. Va faire ça au petit pasteur là-bas, à vos petits faux pasteurs. Ça, vos gugus ne me font rien. Même tes marabouts ne peuvent pas pratiquer sur mon nom. Ton nom, c'est écrit sans interdit. Tu sais pas? C'est écrit sans interdit. Zone rouge. On ne touche pas. On ne touche pas. C'est le nom que les sorciers esquivent même. Voilà. Le nom que Lucifer lui-même esquive. Comment?
Et toi, tu veux prêter. Ce que tu pries maintenant, là, ça retourne directement chez toi et tu vas vivre ça tout de suite. Le gris-gris, ce que tu viens de faire, là, ça retourne chez toi et tu vas vivre ça tout de suite. Si vous êtes comme nous, tout ça, vous reprenez tout ça, vous allez vivre ça tout de suite. Vous allez comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'intouchable. Non. Voilà. On ne touche pas. On ne touche pas. Tu fais les prières sur moi, les incantations, ça me fait quoi? Je vois, mais ça me fait quoi? Mais c'est Dieu qui permet pour que tu subisses tout de suite là. Tout de suite, tu vas subir tout de suite. David, non. Tu ne peux pas. Voilà. Et même ce que tu as fait sur les autres, là, je révoque. Hein? Voilà. Et la nuit, si tu seras chicoté jusqu'au matin. Si tu es sage, il faut t'asseoir debout comme ça. Il ne faut même pas te coucher. Parce que ton lit va devenir ta chicotte. Ton matelas va descendre le marteau sur ta tête. Tu vas comprendre qu'il y a quelqu'un qui te parle. Il y a des gens qu'on ne touche pas. Ah. Non, ils vont confirmer bien le côté. Ce sera bientôt. Vous vous baladez le matin, vous partez chercher les gris-gris, vous mettez dans vos bouvets. En le nom de Jésus. Alléluia. Amen. N'importe quoi. On vous demande, vous dites que vous êtes en train de prêcher. Je te connais, on s'est déjà vu, on s'est déjà rencontré. Est-ce que je t'ai appelé? Tu as mon contact? Est-ce que je t'ai vu? Ah, professeur Edidi, professeur Manjawan, c'est ça. Okay. Ils ont un nom, professeur et prophète. Ah, professeur et prophète. C'est quitter le Nigeria, ça est arrivé en France, ça est arrivé chez les francophones. Manjawan, professeur. Mais tu demandes maintenant, professeur, maintenant ça vient d'où? En anglais, on dit professeur. Maintenant, vous venez ici avec professeur. Non, le Manjawan, daddy, oh papa, le seul après toi, il y a quoi? On va vous voir. Maintenant. Tu t'as dit, j'ai vu une vidéo tout à l'heure. Il a fait un mouvement, j'étais morte de rire. Le problème, c'est que la personne qui faisait, lui aussi, maintenant, on l'a dévié, il ne sait même pas. Il ne sait pas où il croit, quoi qu'il est correct, je ne sais pas. Et que pourquoi vous ne pouvez pas prophétiser calmement? Pourquoi vous faites autant de choses? La manière qu'il a fait, je pouvais vous rigoler. Il dit oui. Il dit, donc, ce que je vois là, beaucoup de gens voient la même chose. Non, ce que je vois là. Attends, tu vois quelqu'un. Attends. Ton nom commence par B. Ton nom commence par B. Il y a encore une autre, ta petite soeur par E. Oui, ta maman par. Et puis vous finissez de donner les noms, les maladies sont toujours là. Mais c'est ça le problème. Rien ne change dans leur vie. Ah bon, ok, je peux vous choquer. Oui, il faut choquer, prophète. Oui, prophète, il faut choquer. Oui, ok. Je vais donner le nom de ton père. Je vais me aller jusqu'à dans ton village. Je vais aller dans ta maison. Je prends la voiture, je tourne, je fais le virage, je pars à gauche, je pars à droite. Et puis, je vais tout droit, je prends l'autoroute, je descends comme c'était un peu long. Oh, je prends même l'avion. Hey! Et puis tout ça, à la fin, on n'a rien. On connaît le nom de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Quand le prophète parle, il a la solution.
Venez plus nous fatiguer les oreilles. Le temps est arrivé où Dieu va fermer vos bouches. Oui. Hey, il y a un autre qui a dit. Hey, je t'ai toi dit bon. Allô, allô, allô. 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 Oui, écoute, 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 mets-le par là, mets-le par là. Oui, tu es sur un drap blanc avec ta femme, vous êtes tout nu. Je dis, mais attends. Non. Voilà. Non. Quand moi, je viens vous dire des choses, vous pensez que j'ai dit pour dire. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo. De ma soeur Joël Kabasele. Moi, j'étais choquée. Je ne peux même pas donner le titre. Je ne peux même pas sortir des choses comme ça de ma bouche. Je ne peux pas salir ma bouche. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux même pas montrer ici. Je ne peux pas. Ça m'a... C'est-à-dire des messages que lui, elle-même, elle souffre pour parler en disant qu'il y a des enfants, mais on va quand même parler. Les choses de l'intimité plus profond, plus loin, c'est-à-dire, je suis... Ah. Quand moi, je parle, ah, j'avais dit, on l'avait déjà avalé. Mais c'était déjà, il était, elle était déjà là, mais elle se débattait. Mais pour qu'elle s'en sorte, il fallait qu'elle se retourne à Dieu. Elle coupe un temps pour chercher sa délivrance. Mais ça passe seulement. Le problème, c'est que quand on arrive à ce stade, on a du monde, on pense qu'on est arrivé. On pense qu'on est arrivé. Mais seulement, il y a une chose que j'ai remarquée. Parmi le peuple de Dieu, il y a des gens qu'on ne peut pas duper. Je fais attention à ça. Parmi le peuple de Dieu, là, il y a des gens, même si vous avez 1 million de personnes, elle est seule, elle est sûre d'elle. Tu ne peux pas la tromper. Ouais, quand elle rentre, elle soulève son nez, elle sent l'odeur. Si son Dieu est là ou pas. Elle demande la vie de Dieu. Elle a la crainte de se retrouver déraillée. Et ces gens, ils connaissent. Tu vas voir, quand ils dévient, ils ont du monde, mais il y a déjà des personnes qui ne les regardent pas. Dieu a besoin de la qualité. Il n'a pas besoin de la foule. J'ai expérimenté quelque chose qui ne m'a pas menti. Les gens dehors, ils connaissent la grâce, même ceux qui sont à l'église. Tu parles, ils te regardent, disent que cette personne, c'est la vérité. Vous savez, le langage spirituel, il y a des codes. Il y a des enfants que Dieu les a doués. Il les a dotés de sagesse pour décoder le langage spirituel. Et vous ne pouvez pas les avaler. Quand ils sentent l'odeur de la vérité, ils viennent même comme les, je dis comme les asticots. Tu peux les tromper, mais ils vont tourner toujours parce qu'il y a des enfants qui aiment la vérité. Ceux-là, on ne les trompe pas longtemps. Vous les trompez un peu, après ils découvrent quitte. Vous les trompez un peu, mais les vrais enfants de Dieu, quand ils découvrent la vérité, ils s'attachent. Ils viennent comme les mouches. Parce qu'ils ont découvert la vérité. Tu vois, quelqu'un, elle dit que quand tout le monde t'intéresse, elle dit quand tout le monde vénérait, tu veux Dieu chercher, elle disait qu'il n'est pas de Dieu. Mais les gens ne l'écoutaient pas. Mais la vérité finit par... C'est les qui ont fini par avoir la vérité. C'est ceux qui ont la vérité qui finit par triompher. Aujourd'hui, le monde entier n'est pas au courant qu'il était faux. C'est parce que la vidéo qu'on a sortie sur lui, je ne peux pas publier. Parce que derrière, j'ai vu des mensonges. Parce que même si tu es faux, il y a des choses que
je n'accepterai pas qu'on me déclare sur toi. Parce qu'il était faux. Mais il y a des choses, quand j'ai vu la vidéo, mais j'ai vu des mensonges, j'ai vu la manipulation des blancs. J'ai vu ça trop dedans et ça ne m'a pas plu. C'est pour ça que je ne pouvais pas, moi, publier la vidéo. Parce que je me dis, moi, demain, quelqu'un va inventer quelque chose comme ça, parler sur moi. Parce que si vous voulez dire quelqu'un, il faut limiter sur ce que vous avez dit qu'il est faux. Il faut pas que vous exagérez. Quelqu'un qui dit qu'on l'a attrapé de force, on lui a dit de rester au Nigeria. Je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux. Ça, il y a des mensonges dedans. Moi, je dénonce les gens. Moi, le fait que je dénonce quelqu'un, je ne veux pas dire que je ne l'aime pas. Non. Non. Mais je ne veux pas que vous mentez sur ces gens-là. Je ne veux pas. Si vous commencez à mentir sur ces gens-là, toi et moi, on va pas faire le chemin ensemble. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Dieu n'aime pas les mensonges. Dieu n'aime pas les mensonges. Le fait que tu dis que reviens sur le bon chemin ne veut pas dire que je vais vouloir ou on veut te tuer et je vais comploter. Non. Si je sors comme ça, je vois que quelqu'un est en train de faire un coup sur Marcelo ou sur Ivan Castano, moi, je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Parce qu'il ne faut pas que le sang de quelqu'un va sur ma tête. Le fait que Dieu m'a dit de renoncer, Dieu ne m'a pas dit de tuer quelqu'un. On est d'accord. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Il ne faut pas qu'on confonde les choses. Parfois, les gens qui dénoncent, on pense qu'ils ont un mauvais cœur. Tout au contraire, c'est ceux qui sont remplis d'amour, qui veulent sauver les innocents. Tout au contraire, c'est ceux qui souffrent beaucoup pour le peuple. Mais je ne peux même pas compliquer. J'ai vu Cospiel. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo en disant que c'est un sorcier pasteur. Vraiment, cette parole-là m'a fait mal. Je n'ai même pas répondu à la personne. Pourquoi? Est-ce que la personne ment? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas que la personne ment. C'est juste que l'enfant s'est fait prise au piège. D'après lui, il a un mentor qui est vrai. Lui, maintenant, on l'appelle, tu vois, le manteau qui le couvre fait qu'il y a des choses bizarres que les gens voient à l'église. Les familles sont détruites. Jusqu'à ce que les gens se vengent déjà contre lui par les armes. Vraiment, ça m'a fait mal. Il avait fait une vidéo dernièrement, il demandait que priez pour moi. On a déjà fusé à l'église deux fois. Il a montré les vitres, les gens ont tiré à travers les vitres, c'est passé. Heureusement, ça n'a pas touché une âme. Mais il ne sait pas qu'il est dans le faux. Il ne sait pas. Tu vois, maintenant, c'est lui qu'on appelle le cospier, le pasteur sorcier. Donc, tous les œuvres sont de l'église, ils sont en train de sortir dehors. Les œuvres sont en train de se mettre dehors. Mais qu'est-ce que le... Il est aussi victime. Il est aussi victime. Ce sont les gens que je ne peux pas... Il est aussi victime. L'enfant, là, il est victime. Moi, je l'appelle... Il est victime. Oui. Cospier dirige l'église de Marcelo. L'église de Marcelo avant était bien. Mais on a dévié l'église depuis 2018. Fin 2020, ils ont terminé avec. Alors, maintenant, quelqu'un m'a envoyé, mais je ne peux pas. Non, tu vois, même le fait que je parle de Marcelo, c'est quelqu'un que j'ai tellement aimé. Il y avait des choses qu'il fait, c'est amusant. Marcelo. Ça me fait mal, mais je fais quoi? Je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de dire ce que je vois. J'avais dit ici que Gospiel, ils ont détourné l'enfant là. Les voilà. Ils sont tous à MCI ou c'est quoi MCI? Tous. Il a fait une cagnotte, il est en train d'appeler. Ils sont en train de quitter. On est en train d'appeler la nouvelle salle. Mais si c'est ce que Dieu est derrière, est-ce que c'est dans la nouvelle salle qu'ils auront la paix? Parce que les gens se sont déjà levés, ils réclament, ils disent qu'on a détruit leur famille dans l'église de Cospiel, Marcelo en France. C'est maintenant que les gens sont en train de dire que J.P. Makanjo a tué les gens. J.P. Makanjo, quand j'avais annoncé, quelqu'un a cru.
On m'avait insulté et qui a dit qu'on va éteindre mon église et qu'on va, on va fermer toutes mes pages parce que vous êtes nombreux, vous les francs-maçons, vous êtes nombreux. Ah ouais. Le jour que Dieu les a maudits, c'est le jour que je suis, ils sont allés prendre la salle à l'Espal Venise, le même jour que Dieu m'envoie là-bas. Dieu attend à la dernière minute pour les surprendre. Ils ont loué la salle, je sais combien de temps. Le même jour, à la dernière minute, Dieu m'envoie là-bas. C'est le jour-là que leur pouvoir est calé là-bas. Tous les secrets maintenant sont dehors. Maintenant, J.P. Makandjou a fait ceci. C'est maintenant que les gens voient. Ah. D'accord. Je vous aime beaucoup. Quand elle dit, on pense que c'est parce que j'ai... Non. Il y a des vidéos, quand je regarde, je dis, mais est-ce que c'est possible? Comment un homme envoie la main ici pour sortir le gros tout comme ça sur les seins d'une femme? La femme, elle est assise. Hey, mon père m'a dit qu'il faut qu'il me fortifie. C'est vrai, il faut qu'il me fortifie. Parce qu'il dit que pour que j'ai le cœur pour supporter encore certaines choses. Ouais, 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 vraiment, ouais. Parce qu'il y a des choses. Moi, je vais venir dénoncer tous vos œuvres. Je vais venir m'asseoir, décortiquer tous vos œuvres. J'ai fait un direct spécial. Ça sera un live spécial. Si tu ne reçois pas les notifications, il faut t'abonner, chérie. C'est parce que tu... Ça sera un live spécial, dévoiler les œuvres maléfiques des faux pasteurs. Le nom à l'appui. Il y a un pasteur, j'ai vu, il a mis la saleté dans sa bouche. Il a rincé sa bouche, il a versé dans la bouche d'une femme. La dame a bu. Le type là, c'est un diable en personne. Le type là. Voilà. Il a versé toutes les maladies qu'on sort dans le corps de la dame. La dame là ne va plus jamais avoir le repos. La dame là ne va plus jamais avoir les serpents, les asticots, les scorpions. Tout, on a mis dans le ventre de la femme là. Voilà. La dame là. Et l'homme-là a récupéré toute la gloire de la dame-là. Il a ce qu'il transportait, il l'a donné à la dame. Il a récupéré le pouvoir de la dame. J'avais posté cette vidéo sur la page. Vous pensez que vous jouez? Alors, bon, pour conclure, je vais conclure. J'appelle tous les jeunes Ivoiriens à travers le jeûne de Elie Pada. Même si vous m'écrivez, vous me dites seulement vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu, vous voulez sortir de là où vous êtes, il n'y a pas de problème, moi je vais prier. Une fois que je vous coupe de mon manteau, rien ne peut vous arriver. Rien ne peut vous arriver, non. Il ne peut plus vous toucher. Secondo, nous allons prier pour Elie Pada, en même temps prier pour tout le reste des kidnappings qui se passent en Côte d'Ivoire. Alors, il y a plein de vidéos, je n'arrive même pas, c'est parce que là, s'il y a plein de gens venus pour ça, spécial, vous allez voir. Il y a aussi le Togo, qu'on avait commencé à prier pour ça, et le Tchad. Le direct est bloqué. Aïe! Mettez le cœur, mes princesses. De toute façon, c'est tout ce qu'ils me font tous les jours. Mais mon Dieu me fortifie. Hey, Shannon, le direct est bloqué. Le direct. C'est bon. J'ai terminé. C'est bon, le direct, c'est bon. Oui, le direct est bon. Tu veux que j'arrête? Non, l'image. Tout va bien? Non, hein? Mais tout va bien? C'est bon, là, c'est bon. L'image était figée. Alors, nous allons...
Nous avons commencé à prier pour le Tchad hier, pour le Togo. Cette nuit-ci, on a prié aussi pour la Côte d'Ivoire beaucoup. C'est là où on a détecté les enlèvements qui doivent arriver. Le Seigneur m'a dit de vous mettre à cœur, de protéger vos enfants, de ne plus marcher dans la nuit, de faire attention quand ils ont prévu beaucoup d'enlèvements. Alors, nous allons se diriger encore vers le Togo ce soir. On m'a dit encore, il y avait encore des cas. Hier, on a encore prié aussi pour le Sénégal, parce que c'est vrai qu'on voit calme, mais ce n'est pas encore ça. Voilà. Ce n'est pas encore ça. Et on va aussi prier pour Elie Pada. Oui, je vais m'occuper de ça. Pour Apuchou, là, je vais m'occuper de ça. Je vais m'occuper de ça. Ouais, non, je vais m'occuper de ça. Je vais m'occuper. Avant dimanche, je vais m'occuper de ça. Vous savez, les sorciers, quand ils voient que vous avez vu, eux, ils se précipitent. Je vais m'occuper de ça. Ils ont dit qu'il a beaucoup d'étoiles, il faut qu'on récupère ça. On dit qu'il faut qu'on récupère ça. Donc, de toute façon, les pays où je vais traiter bien, il y a aussi la Centrafrique. Je veux qu'on me donne certaines informations, voilà, pour que je puisse entrer bien. Le président sortant quitte le pays où? Le président sortant a quitté le pays où? Au Sénégal? Mais le même jour, je ne sais pas si c'est au Sénégal, dis-moi. Attends, Chanon. Le président du Sénégal quitte le pays où? C'est le président sortant, c'est où? C'est le Sénégal? Ah oui, le même jour. Le même jour, il n'a pas dormi. J'ai reçu une vidéo, vous pouvez mourir de rire. Macron avec Macky Sall. Mais vraiment, Macky, tu sens le grand amour entre les deux. Macky, tu es où? Tu veux quoi? Je n'ai pas voulu vous fatiguer avec ça. Macky, t'entends Macky, tu vois les deux. Oh non! Maki, tu es où? J'ai reçu la vidéo, là, je dis, non, mais les deux là font la fête. Non. Voilà ça. Ça, c'est Macron, hein, regarde. Voilà la vidéo, voilà, c'est Macron qui est. Tu vois, c'est Macron qui est. Ah, et regarde. Attends, je mets le bruit. Le citoyen lambda. Allô, allô, Macky, tu sens que c'est les grands amoureux. Allô, Macky, tu es sur ton chemin, tu es où? Tu as besoin de... Ah, mais c'est... Vous allez vous ramasser, vous m'attendez. J'ai dit, mais il y a des choses, hein? Ah, ouais. Allô, Macky, tu as besoin de... Tu es où? Il est même occupé, mais quand Macky l'appelle là, hey, il est, tout le monde est figé, le réveil. Allô Macky, t'es où? Mais c'est vraiment, en tout cas que c'est les enfants, les petits enfants au carrefour quoi. Allô Macky, t'as besoin de quoi? T'es où? Il y a des choses, hein? Non, il y a des choses. Les gens vont me tuer. Allô Macky, t'es... Et c'est Macron, hein? Non, mais... Les gens qui sont... Quand on a besoin de la... On va l'abandonner. On va plus l'appeler comme ça. C'est fini. Ah!
quand ils vont chercher, ils vont voir que tous les chemins sont fermés. Non, c'est fini. C'est fini. En tout cas, ce que j'avais à dire au président Dioma, c'est que ce que je peux lui dire, c'est que Macky Sall a, tout ce que Macky Sall a décoré à la dernière minute avant de quitter là, il faut qu'il ait le regard sur ça. C'est un peu trop fort. Ce qu'il a décoré à la dernière minute là. Il y a des choses. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Oh, gloire à Jésus. Si ça vous informe, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, je vais raccrocher. J'ai vu beaucoup de gens qui m'ont envoyé certains messages. Je vais essayer de me rapprocher du Togo pour comprendre pourquoi on insiste que je prie pour le Togo. Voilà, si c'est nécessaire, on va accorder, même si c'est une heure au Togo cette nuit, pour voir là où on est et on verra avec les résultats demain. Je vous avais dit que je m'occupais de la Côte d'Ivoire. Je vous ai donné le résultat de la Côte d'Ivoire. Je vous avais dit aussi que je m'occupais d'Élie, Élie Pada, du prophète Élie Pada. Je suis venu aussi vous donner le résultat. Car c'est le fils à son père. Que Dieu le bénisse. Je pense que dans ça, Dieu lui a parlé et qu'il est en train de revoir, qu'il revient à son premier amour. C'est fort au Togo. Ok, je vais appeler tout à l'heure, on va m'informer bien. Je veux avoir des bonnes informations pour qu'on entame ce soir. Alors, je vous aime beaucoup, 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 beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ah, il dit, je suis togolais, mais je n'ai pas votre numéro. Je ne sais pas. Je veux quelqu'un qui va me donner des informations un peu, voilà, claires. Voilà, vous voyez, une fois que j'ai des bonnes informations, je vais m'occuper de ça. Le président qui est là-bas, là, on m'a dit que ça fait 50 ans, on est en captivité, ou c'est son père qui était là, lui, il a pris la place. Donc, moi, je vais m'avancer un peu par là-bas et le Seigneur va nous dire quoi faire. Je vous aime beaucoup. À tous les décrets, la dernière minute ont été abrogés.